Merci à tous et à toutes d'être là. De fait, on entend un bruit de fond assez tempétueux derrière. Fed Raipolite, donc. Comme il a été annoncé, comme je l'avais aussi mentionné dans la présentation de cette conférence, Fed Raipolite, enfin, ce travail, on va dire, c'est en fait le titre là, d'un ouvrage qui va bientôt paraître. Donc, quand je dis bientôt, c'est vraiment imminemment. Je viens de relire les secondes épreuves la semaine dernière, dans la collection Vérité des mythes aux belles lettres. Donc voilà, je fais un petit peu de publicité pour vous expliquer aussi quel est le sujet de mon intervention d'aujourd'hui. Le titre peut être un peu énigmatique au départ, hein, cette formulation, Phèdre à Hippolyte, est en fait celle qui m'est apparue la plus claire pour rendre cette thématique de l'aveu sur lequel j'ai voulu travailler. Et le sous-titre ici l'indique, hein, scènes d'aveux antiques et contemporaines. Pour la conférence, j'en ai proposé un autre, les aveux possibles. Ce que vous allez voir, ça rend peut-être davantage compte de la manière que j'ai eue d'aborder en fait cette thématique. Donc c'est l'occasion ici pour moi de revenir avec vous sur la construction en fait de cet ouvrage, sur la construction de cette réflexion, et j'ai choisi donc d'en retracer l'élaboration à travers le parcours de lecture et de réflexion qui m'a mené en fait à l'écrire. Donc mon objectif là aujourd'hui, c'est un peu aussi de vous raconter une histoire, alors qui est bien sûr celle de Phèdre, celle d'Hippolyte, mais aussi celle de ce livre, celle de cette enquête qui m'a occupé plusieurs années et dont je suis très heureuse de pouvoir vous parler aujourd'hui. C'est de la mythologie. La mythologie, c'est une histoire, c'est aussi un récit. C'est des choses qu'on aime à entendre, raconter, et je me suis dit que le sujet était tout trouvé. Au cours de ce travail, j'ai été en fait amenée, vous allez le comprendre très vite, hein, à mettre en œuvre deux approches différentes que je vais essayer de reprendre ici aussi. Une approche qu'on pourrait qualifier de chronologique, qui est liée à des enjeux de transmission, à un rapport, on pourrait dire, d'intertextualité entre les différentes sources dont j'ai pu me servir, savoir comment les unes se réfèrent aux précédentes, etc., comment elles remettent en jeu certains éléments. Et puis une approche qui est vraiment coupée de toute chronologie, qui est davantage liée en fait à des enjeux de narration, précisément. Et vous verrez que cette idée de comment se raconte une histoire, elle est vraiment au cœur de ce travail. Et donc, pour cela, j'ai dû envisager à plusieurs reprises les déroulements possibles en fait, de cette histoire, de cet épisode mythologique qui est pris dans ses diverses variations. Vous savez que c'est le propre de la mythologie que d'avoir de nombreuses variations, et l'intérêt est aussi, évidemment, dans la comparaison entre ces variations. Et ces variations, donc, vous verrez que j'ai pu à la fois les envisager de manière un peu abstraite, on pourrait dire, et aussi de façon concrète, quand elles avaient pu s'incarner précisément dans des supports qui étaient exclusivement ici pour ce travail, des pièces de théâtre, remontant de l'Antiquité jusqu'à un corpus contemporain, et les arts figurés, alors là, davantage centrés dans l'Antiquité, mais vous verrez que tout cela avait sa nécessité propre. Peut-être rappel très rapide, puisque j'ai aussi eu l'occasion de faire une sorte de conférence spectacle sur Phèdre qui s'appelait Impossible Phèdre, dans laquelle on mettait en scène un dialogue en fait entre le metteur en scène et moi, qui était entrecoupé de lectures de textes. Et c'est vrai qu'on commençait quand même toujours par dire bon, on va replacer un peu le cadre, essayer de se rappeler un peu qui sont ces personnages, même si vous avez peut-être dû réviser pour l'occasion ou vous connaissez ça très bien. L'enjeu de cet épisode, donc, qui met aux prises ces deux personnages de Phèdre, Hippolyte et un troisième qu'on ne peut oublier évidemment, Thésée, voire même un quatrième qui va être la nourrice, mais qui est moins mythologiquement connu. Thésée a lui son histoire propre, hein, on pourrait dire Thésée c'est une vraie geste, c'est des exploits à non plus finir, c'est le proche parent d'Héraclès et il est très proche de lui sur cette thématique-là. Phèdre, pour le rappeler brièvement, hein, Phèdre est la femme de Thésée. Phèdre, c'est une princesse crétoise, fille de Minos et de Pasiphae. Vous verrez qu'on est amené quand même beaucoup à citer Racine quand on envisage cette matière. Et donc, princesse crétoise, ramenée par Thésée, avec sa sœur Ariane d'ailleurs, mais qui est ensuite abandonnée à Naxos, ramenée à Athènes et donc femme légitime de Thésée. Et Hippolyte, dont Phèdre tombe éperdument amoureuse, c'est, vous le savez tous, le fils d'un premier, une première union que Thésée a eue avec une reine amazone qui s'appelle parfois Hippolytée, d'ailleurs au féminin, hein, parfois Antiope, et donc dont le nom peut changer et qui parfois d'ailleurs n'est même pas nommée. Et donc entre cette princesse crétoise et le fils de l'amazone, c'est
un amour sans retour, on pourrait dire, un amour d'ailleurs à sens unique, hein, qui se noue, celui de Phèdre pour Hippolyte, et qui prend la forme, enfin en tout cas, j'ai trouvé que ce qui permettait de le mieux l'aborder et de travailler en fait cet épisode, c'était ce moment de l'aveu, hein, qui est vraiment fondamental en fait dans la relation en fait entre ces personnages et même entre tous ces personnages que j'ai pu énumérer tout à l'heure. Donc voilà, centré autour de l'aveu, hein, et qui met vraiment en contact, ou pas d'ailleurs, ces deux personnages. Alors, le point de départ de cette enquête, et là je vais me référer à un texte beaucoup moins connu que ceux auxquels on pourrait penser d'abord quand on évoque en fait cet épisode, puisqu'évidemment je parlerai de Ripide, je parlerai de Sénèque, mais le point de départ de ce travail, il est en fait, il vient d'un auteur beaucoup moins... classiquement connu, déjà tout simplement parce qu'il appartient à une période beaucoup plus tardive, cette antiquité tardive, hein, qui date ici, vous voyez, du 6e siècle après Jésus-Christ. Donc on est quasiment à 10 siècles d'écart par rapport à Euripide, hein, qui va être notre jalon le plus antérieurement connu. Et donc cet auteur, ce maître de rhétorique, Procope de Gaza, la vraie Gaza, j'ai envie de dire, donc bien loin aussi de la Grèce classique et beaucoup plus proche de nous géographiquement. Ce maître de rhétorique, donc, dont on a un certain nombre d'œuvres, et en particulier un texte sur lequel j'étais amenée à me pencher, qui est ce qu'on appelle une ekphrasis, c'est-à-dire une description, c'est-à-dire une sorte de, voilà, d'exercice rhétorique, on pourrait dire, description d'une œuvre d'art. Hein, l'ekphrasis, c'est aussi cela que ça veut dire, c'est... lié vraiment au domaine des arts figurés. Et Procope décrit une œuvre d'art. Alors je dis œuvre d'art à dessin parce qu'on ne sait jamais en fait dans le texte s'il s'agit d'une fresque ou d'une mosaïque, c'est-à-dire quelque chose qui serait au mur ou qui serait au sol. Bon, on peut discuter et analyser sans fin, mais je vais justement aujourd'hui essayer de ne pas aller dans trop de détails sur ces éléments-là, essayer de vous montrer le mouvement général en fait de mon étude. Donc une œuvre d'art qui précisément retrace, met aux prises ces personnages mythologiques, cet épisode de l'aveu qui est vraiment central en fait, et qui était donc visible dans la cité des Gazéens, et donc que Procope nous propose d'aller visiter en fait. C'est quasiment une visite guidée en fait ce texte, c'est assez étonnant d'ailleurs la manière dont il est rédigé. Et il nous propose d'aller regarder ses œuvres, et en intervenant d'ailleurs parfois beaucoup, ça c'est le style propre de l'ekphrasis, hein, qui fait que la voix narratrice peut aussi intervenir, nous guide, nous dit voilà, il faut regarder ci, mais voyez donc là, et même à un moment donné s'emporte. Alors tout à l'heure je me disais que j'avais oublié de vous en mettre un passage, et j'ai rectifié ça juste avant d'arriver. Donc voilà un petit extrait de cette ekphrasis que, pour l'occasion, j'ai été amenée justement à retraduire aussi, hein, depuis le grec, et qui est une manière de ressusciter en fait ces personnages qui est totalement inédite en fait. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Mais comme là j'ai le texte, on va simplement y jeter un petit coup d'œil. Sur l'organisation d'abord, on a, alors je vous le dis quand même tout de suite, puis après on regarde, pardon, je m'y prends à l'envers, on a en fait une espèce de grande mégalographie, on pourrait dire, c'est-à-dire une espèce de grand système que j'ai essayé de recomposer ici avec des schémas de manière assez schématique. On a en fait deux grands panneaux, hein, dont on ne sait pas s'ils sont liés, séparés, je vais y revenir dans un instant. L'un qui représente le palais de Thésée, où Thésée est présent avec Phèdre, avec la nourrice, tout un ensemble de servantes, de serviteurs, et qui est consacré au moment où Phèdre va, sous la poussée de la nourrice, écrire une lettre d'aveu. Et puis le second moment, qui est là unique en son genre, c'est pour ça que ce texte est assez passionnant en fait à exploiter. C'est une scène de forêt, de montagne. Hippolyte est à la chasse, c'est son occupation favorite, en compagnie d'une jeune femme que Procope identifie comme Daphné, ce qui est assez étonnant, là aussi. On n'a pas d'autres exemples possibles de cette Daphné avec Hippolyte, mais qui fait sens. La nourrice, toujours elle, puisqu'en fait, la nourrice fait le lien entre les deux panneaux et qu'elle va venir... elle donne à Phèdre les éléments pour écrire la lettre, hein, non pas le papier et crayon, mais voilà, les outils de l'époque. Et puis, c'est elle qui se charge de transmettre la lettre à Hippolyte. Et le deuxième panneau nous montre la remise de la lettre.
ce qui ça est attesté par ailleurs. Et puis l'élément inédit dont, que je souligne, l'adjectif que j'emploie depuis tout à l'heure, c'est ce supplice de la nourrice auquel Hippolyte, qu'Hippolyte ordonne en fait à un de ses serviteurs de perpétrer. Hein, la nourrice est punie sans doute à mort. Là, il y a des éléments dans le texte qui laissent entendre qu'elle va mourir en fait de cette punition, de cette bastonnade. Elle est aussi attaquée par les chiens. Enfin, voilà, on plonge tout de suite dans un univers beaucoup plus terrible qui laisse évidemment présager la mort des personnages par ailleurs dans les autres versions de l'histoire. Alors, je reviens à ce premier panneau pour... J'étais obligée quand même de situer ces éléments. Premier panneau, donc, Phèdre et Thésée dans le palais. Alors, les petits éléments que j'ai mis au-dessus, c'est qu'il y a d'autres scènes hein, qui représentent Thésée dans le labyrinthe, Hippolyte à la chasse, etc., qui sont en décoration, en fait, par ailleurs, comme si elles étaient dans le palais de Thésée. Et Thésée, de façon là aussi totalement atypique, est présentée en train de dormir. Vous voyez, Thésée dort et pendant ce temps, Phèdre, malade d'amour, ce qui est un thème iconographique très connu, ne peut pas dormir, elle ne peut pas trouver le sommeil, c'est ce que Procope explique. Thésée dort et alors que Phèdre, le doux sommeil, citation homérique, n'a aucune emprise sur elle, à la place du sommeil, c'est l'amour qui a eu le domicile en son cœur. Mais que t'arrive-t-il, pauvre femme ? Et voyez, on passe à une adresse directe comme si la voix narratrice plongeait en fait dans la scène et devenait personnage. C'est en pure perte que tu te fais du mal. Eros ne t'est pas favorable. Comment donc pourras-tu convaincre l'adepte de la tempérance ? Pourquoi te couvres-tu de honte à vouloir t'approcher d'une couche illicite ? Retourne-toi un instant, accorde à ton époux un regard et ne méprise pas ce qui est à ta portée, en cherchant ce qui ne l'est pas. Respecte ton époux, même quand il dort, et détourne-toi de l'image vers laquelle tu portes tes regards, car Hippolyte a bien l'air de rester raisonnable, même en peinture. C'est un texte qui fait aussi sourire, hein, qui est très, très fin et très amusant. Allons, que vient-il de m'arriver ? J'ai été égarée par l'art du peintre, j'ai cru que les personnages eux-mêmes étaient doués de vie, et mes yeux ont oublié leur nature d'image. Parle donc de Phèdre, et ne lui parlons pas. De fait, son attitude vient attester l'amour qu'elle ressent, voilà les preuves, tu vois, regard humide, esprit égaré, ailleurs, par la passion, corps qui a besoin d'être soutenu, comme si l'âme en était exilée alors qu'il est toujours en vie. Suit cette longue description de Phèdre en proie à la passion amoureuse. Donc voilà, j'oubliais presque d'arriver à un extrait de ce texte ce matin et je suis très contente d'avoir pu le restituer ici. Ce qui est intéressant avec ce texte de Procope, c'est que en fait, on comprend assez vite, hein, quand on s'interroge un peu sur ses sources, sur ce dont il a pu se servir en fait pour composer hein, cette œuvre figurée, c'est qu'on se rend compte, malgré tout ce qu'on peut lire d'ailleurs très souvent sur le sujet, qui remonte en général aux sources théâtrales beaucoup plus anciennes, hein, donc Euripide, 5e siècle, Sénèque, très longtemps après lui, on se rend compte qu'en fait, si ce sont ces sources-là que nous on a conservées, l'influence, le modèle en fait dont Procope se sert, il est sans doute en partie théâtral, parce qu'il y a même des citations quasiment d'Euripide, mais il emprunte aussi en fait à un autre pan de l'activité artistique qui est l'iconographie. Et ce texte déjà de toute façon mêle hein, les références, enfin étant description d'une œuvre d'art, il invite évidemment à se pencher sur l'iconographie. Et c'est en fait là on découvre vraiment une mine d'informations absolument foisonnante sur l'iconographie de l'épisode. Et qui a été en fait très en vogue à l'époque, plutôt à l'époque romaine en fait, hein, donc plus tardivement que nos modèles théâtraux de référence. Et cette scène de l'aveu de Phèdre à Hippolyte, de l'amour de Phèdre consumé d'amour, etc., c'est vraiment devenu un sujet iconographique extrêmement représenté et sur des supports tout à fait différents. Alors je vais y revenir justement tout de suite. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces supports, il y en a vraiment pour lesquels on se rend compte que très certainement, il devait être une inspiration en fait pour la scène qu'a voulu représenter Procope. Ces supports, ce sont des fresques. Il y en a d'époque romaine, d'ailleurs, je vais revenir juste dessus. Il y avait celle-ci qui est assez connue, que j'ai choisie comme fond ici. Hein. Fresque de la maison de Jason, où on voit justement Phèdre, la nourrice en conciliabule et puis une lettre entre les mains. Ce sont des fresques, donc des mosaïques, et là on verra, je vais y venir dans un instant, des mosaïques qui sont plutôt d'ailleurs de l'époque tardive et assez contemporaine du texte de Procope et qui, elles aussi, représentent l'aveu. Et puis toute une série de sarcophages, alors là disséminés aux quatre coins de l'Empire romain,
qui nous montrent aussi, qui peuvent être une inspiration possible. Alors, je vous en montre quelques-uns, simplement pour vous signaler quelques éléments importants. Sur les sarcophages, là où on voit que, voilà, que l'inspiration est sans doute celle des sarcophages, même si ensuite Procope a ce génie aussi de revisiter complètement l'épisode et de le transfigurer par la magie des mots, hein, par la magie de la rhétorique, de faire exister les personnages et, d'imaginer une autre histoire, en fait. Quand on se réfère au sarcophage, on se rend compte qu'on a très souvent deux scènes, exactement comme dans la description. Une scène avec Phèdre, ses servantes, Phèdre malade d'amour, Phèdre alanguie, Phèdre assise, Phèdre qui est souvent penchée, qui a besoin de soutien, exactement comme dans le texte qu'on vient de lire. Phèdre qui parfois écrit une lettre, en fait, ou qui donne une lettre à la nourrice. Et puis, un deuxième temps qui est une scène de chasse. Vous voyez ici, par exemple, sur le sarcophage de Pise. Donc, Hippolyte à la chasse. Parfois, elles n'ont aucun rapport entre elles. Et parfois, on se rend compte qu'en fait... comment expliquer ça ? Non, ce que je reprends ma phrase. Ces deux scènes, généralement, donc c'est Phèdre malade d'amour, la chasse, et le plus souvent, en fait... La scène, on pourrait dire, d'aveu est concentrée sur le premier plan, le premier pan. Et le deuxième, c'est Hippolyte à la chasse et on n'a plus cette histoire d'aveu qui entre en jeu. Procope, lui, justement, hein, il s'est ingénié à faire le lien entre les deux et à faire de l'aveu vraiment l'élément central de toute la scène. Et l'aveu, très souvent sur les sarcophages, il est plutôt concentré dans le premier pan avec Hippolyte, vous voyez ici, qui est face à Phèdre et voilà... Et sans que parfois on comprenne bien en fait les tenants et les aboutissants de cette scène. Et là où il y a justement un élément clé dans le texte de Procope qui est aussi d'ailleurs réinvesti, qui trouve sa source très certainement dans l'iconographie, c'est ce fameux objet de la lettre que je mentionnais tout à l'heure. Le texte de Procope, il est centré sur cette lettre. La lettre, c'est elle qui, avec la nourrice, fait le lien entre les deux. On assiste à l'écriture puis à la remise. Et cette lettre, elle va avoir, elle aussi, une portée iconographique très importante, tout simplement peut-être parce que la lettre est aussi un moyen de figurer l'aveu, hein, de faire comprendre qu'il y a une information qui circule entre les personnages, ce que la simple mise en présence de Phèdre face à Hippolyte ne laisse pas forcément comprendre. Hein. On a des scènes comme ça, mais elles restent parfois assez énigmatiques, en fait, et on est parfois bien en peine d'identifier les personnages. Et donc, alors je reprends simplement un exemple où vous allez voir la lettre, qui est plutôt... Il y a toute une série, je ne vais pas les détailler. Voilà, par exemple, celui-ci, on voit bien que la nourrice remet la lettre à Hippolyte, hein, mais par contre, il n'y a absolument pas ce fameux supplice que Procope a ensuite détaillé et dont il a fait vraiment un point fort de son texte. Et sarcophage de Saint-Pétersbourg, on voit aussi très bien cette scène. Alors, j'ai fait un gros plan après ici. Voilà, la remise de la lettre, le rejet par Hippolyte, hein, et Phèdre sur un autre côté qui est en train de remettre la lettre à la nourrice et qui est entouré de petits amours qui sont aussi repris d'ailleurs par Procope, hein, qui nous fait vivre, hein, une scène extrêmement foisonnante en fait en personnages. Je parlais justement de cette attitude. Je viens de vous dire, voilà, Hippolyte, dans cette attitude de rejet, ce qui m'a, moi, profondément, en fait, alors déjà intéressée et ensuite, je dirais presque influencée, en fait, pour ma réflexion dans la suite, c'est que l'iconographie, elle procède beaucoup par pose, justement, par pose, par attitude. Et ça m'a permis de mieux comprendre tout un certain nombre d'éléments, en fait, que le simple texte de théâtre, par exemple, rendait un petit peu difficile à appréhender. Donc ça m'a permis aussi de jalonner un peu différemment les différentes étapes de l'aveu. Et j'ai beaucoup travaillé en fait sur ces poses, sur ces attitudes qui m'ont ensuite permis de, oui, je le disais à l'instant, de mieux comprendre certains éléments. Je dis ça de manière très générale, mais on va sûrement avoir un exemple dans la suite. Alors, voilà pour ce texte de Procope. Alors je balaye quand même très rapidement la suite... Donc les fresques et des mosaïques, donc de la même, alors là un peu antérieure, Chypre, mais ensuite des mosaïques qui vont en plus se rapprocher de la zone géographique, hein, de Gaza et qui nous montrent donc Phèdre qui se détourne, la lettre par terre, le geste d'Hippolyte. Ici à Chexwed, même chose, hein, Phèdre isolé, pensif, avec toujours cette position qui est quasiment celle des mélancoliques, hein, qui reprend tous ses codes iconographiques, la nourrice qui remet la lettre à Hippolyte, qui est lui présenté dans une scène de chasse. Enfin, voilà, on a vraiment tout un arrière-plan, hein, iconographique qui est tout à fait clair.
mais encore une fois, dont Procope se détache, ce qui fait aussi l'intérêt, évidemment, de son texte. Alors, j'en viens à la suite. Ça, je le redétaillerai si besoin et si vous avez des questions là-dessus. Encore une mosaïque de Madaba, où on voit cette scène, et la scène de chasse est d'ailleurs très étonnamment manquante. Ce qui... Alors, je disais tout à l'heure, dans toutes les études sur ce texte de Procope, hein, qui a vraiment été le point de départ, et vous verrez qu'il est aussi un des prismes possibles pour le travail sur cette scène d'aveu, c'est qu'on essaie toujours d'en remonter aux références théâtrales, donc, qui sont celles classiques, je dirais, d'Euripide, donc 5e siècle, et puis de Sénèque, plus tardivement, époque romaine, et dont on se sert, en fait, pour essayer de comprendre le fonctionnement de cet épisode. Alors, si on suit le fil que propose Procope, cet aveu par lettre, justement, cet objet important qui m'est apparu très important, qui est la lettre, très étrangement, quand on essaie de remonter le fil de son histoire, hein, autant il est extrêmement attesté, donc je vous l'ai montré dans l'iconographie à l'époque romaine, autant dans la période grecque, on n'a quasiment rien. Et dans les références théâtrales qui ont pu servir de modèle, on n'a jamais l'utilisation d'une lettre. C'est-à-dire qu'au théâtre, la lettre... dans les textes qu'on peut lire, elle n'est pas utilisée. Ce qui, bon, elle pourrait être utilisée, et c'est aussi pour ça que après j'ai été amenée à travailler sur des possibilités de l'histoire, hein, parce que c'est quand même intéressant d'imaginer ce qui aurait pu se passer dans d'autres circonstances. Et ça m'a amenée à me pencher plus en détail en fait sur le corpus de théâtre, et plus précisément, la nécessité est apparue d'y ajouter tout un pan, évidemment, sur lequel il est très compliqué de travailler, qui sont les pièces perdues. Généralement, justement, quand on attaque cette histoire de lettres, on se dit, bon voilà, les textes conservés ne la présentent pas, mais elle devait sûrement exister dans une pièce perdue. Or, quand on plonge dans ce continent des pièces perdues sur le sujet de l'épisode entre Phèdre et Hippolyte, là, on tombe aussi sur des histoires absolument incroyables. Et c'est vrai que alors, l'étude des pièces perdues en soi, c'est passionnant, hein, mais là, il y a en plus vraiment une sorte de scénario qui se met en place, que je vais vous exposer à l'instant. Donc, état des lieux, l'Hippolyte d'Euripide, la Phèdre sénéchéenne, et dans les pièces perdues, on sait par différentes sources qu'il y avait une autre pièce d'Euripide qui portait sur le même thème, donc un autre Hippolyte, une Phèdre de Sophocle, dont on a là aussi que quelques fragments, quelques attestations. À chaque fois, on a en fait assez peu de choses pour reconstituer en fait véritablement l'intrigue. Hein. Et cette assez peu de choses est justement ce qui permet d'échafauder un peu toutes les hypothèses et d'explorer, chez certains commentateurs savants, même très érudits, hein, quasiment, de reconstruire en fait des pièces qui, semble-t-il, n'ont sans doute jamais existé. Vous verrez que c'est justement précisément le cas pour le premier Hippolyte d'Euripide, sur lequel on a échafaudé ce qu'on pourrait appeler, ce que j'ai appelé d'ailleurs, une sorte de vulgate, c'est-à-dire qu'on reconstitue généralement le premier Hippolyte, je vais vous en parler dans un instant. Voilà, on a une intrigue toute faite, et il se trouve qu'en fait aujourd'hui, on a certains documents qui restent encore sans doute assez confidentiels, qui sont des papyrus que je vais vous montrer aussi tout à l'heure, qui nous permettent d'être quasiment sûrs que ça ne se déroule pas comme la pièce ne se déroulait pas comme on l'a toujours reconstituée depuis des siècles. Et donc ça amène aussi, vous voyez, à questionner vraiment, d'une part, les éléments, les sources sur lesquelles on travaille, mais aussi à essayer d'envisager en fait toutes les différentes possibilités d'histoire qui sont reconstituables et qui ont ensuite pu ou non être incarnées dans des matériaux. Alors j'y viens justement dans un instant. Alors, Euripide, on a donc deux Hippolytes. L'Hippolyte conservé, c'est le second, très certainement. Là aussi, on pourrait discuter pendant très longtemps, mais généralement, on est quand même à peu près d'accord pour dire que c'est le second, représenté en 428 avant Jésus-Christ. Et un premier Hippolyte, ils sont distingués par la tradition par des sous-titres. Le second, bon, parfois appelé Hippolyte seul, hein, est ensuite parfois dénommé Hippolyte à la couronne ou porte-couronne parce que au prologue, au moment où Hippolyte entre en scène, il vient justement déposer une couronne à la statue d'Artémis, en hommage à la déesse Artémis qui est sa protectrice. Et le premier Hippolyte, lui, il est dit Caluptomenos, c'est-à-dire celui qui se voile, qui est voilé. Donc il y a toute une histoire de voile avec lui. Je vais y revenir aussi dans un instant. Et cette pièce-là, donc, elle est perdue.
Alors, on a des attestations qui nous permettent, qui nous disent précisément, alors je n'ai pas remis le texte ici, mais je vous le résume de mémoire. Dans le deuxième Euripide, dans le deuxième Hippolyte, pardon, Euripide a justement corrigé ce qui a pu choquer lors de la représentation du premier. Et il a donc écrit, vous voyez, une version plus, on dirait presque politiquement correcte de l'épisode, très certainement dans la manière de présenter Phèdre. Alors ça a pu donner lieu à toutes sortes d'interprétations. Et généralement, entre en jeu ici des méthodes en fait, de reconstitution tout à fait spécifiques, des logiques très particulières sur lesquelles on peut aussi d'ailleurs se poser des questions. Pour réussir à reconstituer la trame du premier Hippolyte perdu, ben en gros, on se dit, tout ce qu'il y a dans le second, comme il y a eu correction, ben on l'inverse. Hein, et à partir du moment où on l'inverse, on va avoir une intrigue tout à fait recevable pour le premier. Et c'est là où il y a une particularité, en fait, dans ce dossier, on pourrait dire, sur Phèdre et Hippolyte, dans les sources antiques, c'est que le second Hippolyte de Ripide, très clairement, par certains recoupements, il est tout à fait... C'est en fait un contre-modèle. Ce second Hippolyte, il présente précisément une Phèdre qui est en lutte totale contre son amour, qui voudrait d'ailleurs ne pas y céder, hein, et qui met donc, on pourrait dire, sa vertu, quasiment racinienne d'ailleurs, sa sophrosyné, si vous voulez employer le terme grec, au-dessus de tout, et elle est prête d'ailleurs à mourir hein, plutôt que de céder en elle une part quelconque, de céder le pas à l'amour qui l'envahit, l'amour pour Hippolyte qu'elle ressent. Et déjà, ça nous présente une Phèdre qui, en fait, on pourrait dire totalement atypique d'une certaine manière. Parce que là, le recoupement avec d'autres sources, avec aussi la lecture de la Phèdre de Sénèque en particulier, la lecture de pièces à l'intrigue à peu près similaires, en particulier la Sténébée de Ripide, nous montre qu'on avait un personnage qui revendiquait vraiment davantage son amour et qui faisait même des propositions directes à Hippolyte. Vous avez peut-être en tête aussi d'ailleurs un autre modèle de ce schéma qui est en fait un schéma narratif tout à fait... très répandu dans le monde, hein, on en a des attestations dans de multiples cultures, c'est aussi celui de la femme de Putiphar dans la Genèse, hein, avec Joseph, qui fait des propositions à Joseph, qui lui dit même textuellement, c'est dans le texte biblique, hein, couche avec moi, et Joseph refuse, et ensuite elle le calomnie auprès de son mari, qui va ensuite punir le jeune Joseph. C'est exactement le même schéma, mais on voit bien que la femme qui est mise en œuvre dans ces récits, elle est très loin de la Phèdre ripidéenne. Et la Phèdre du second Hippolyte. Et cette Phèdre, elle est totalement en retrait, en opposition avec ce qui est attendu par la tradition et ce qui était sans doute d'ailleurs représenté dans le premier Hippolyte. Et donc, ce qu'on explique généralement, c'est que dans le premier Hippolyte, on avait une Phèdre peut-être un petit peu plus audacieuse que la normale, mais qui en tous les cas voilà, proposait directement au jeune Hippolyte de s'unir à elle, et ce qui pouvait évidemment défrayer totalement la morale. Il faut aussi se replacer dans le contexte. Hein. Phèdre, c'est la femme de Thésée. Thésée, c'est le roi modèle d'Athènes. Hein. C'est vraiment la référence absolue. Donc, évidemment, sa femme doit avoir une logique, une conduite absolument, absolument exemplaire. Donc voilà, déjà simplement pour rappeler aussi la difficulté qui se pose en fait quand on remonte à ces sources antiques, difficulté qui est donc augmentée par le fait que notre pièce la plus ancienne, notre pièce qui pourrait être la référence, le second Hippolyte de Ripide, est en fait un contre-modèle et ne fonctionne pas du tout comme les relations entre les personnages hein, fonctionnent vraiment à l'inverse de ce qui est attendu par ailleurs, à l'inverse aussi de ce que propose d'ailleurs le texte de Procope, hein, et qui donne un très bon exemple d'une Phèdre audacieuse qui va aller avouer, qui va écrire à Hippolyte pour lui avouer et peut-être même lui faire des propositions. Alors, je ne vais pas détailler ici sur la manière dont Euripide met génialement en fait en scène ces éléments dans son second Hippolyte. Hein, justement, il joue aussi sur cette manière de reconfigurer en fait complètement l'épisode, hein, et il le fait avec des moyens qui sont ceux justement du théâtre. Un moyen très simple, par exemple, c'est qu'il ne va jamais mettre en face à face Hippolyte et Phèdre. Donc tout ce qu'on pourrait attendre d'un aveu, par exemple, direct,
ne peut pas se passer puisque à chaque fois, il se débrouille pour que les deux personnages ne soient pas en scène ensemble. Alors j'avais remis ici un petit tableau de distribution sur lequel je travaille régulièrement pour d'autres sujets qui vous permettaient peut-être de retracer un peu la progression de la pièce. Hein, mais pour simplement synthétiser sur cette question, ce qui est, alors je disais, il a le génie de faire ça. Là où on se rend compte qu'il a le génie de faire ça, c'est qu'en fait, il fait presque advenir un moment où les deux personnages pourraient se retrouver face à face, et puis il l'évite. C'est comme si la scène d'aveu pouvait à un moment donné avoir lieu, et en fait, ensuite, était détournée par ailleurs. Et donc là aussi, il nous montre qu'il joue évidemment sur les attentes et sur les codes et, de narration de cette histoire par ailleurs. Phèdre, en fait, assiste à une scène qui est une scène d'aveu entre la nourrice et Hippolyte. La nourrice va trahir en fait la promesse qu'elle a faite à Phèdre. Elle va révéler l'amour à Hippolyte, ce que Phèdre lui avait complètement interdit. Et Phèdre assiste, elle entend la scène, elle entend le dialogue en fait entre Hippolyte et la nourrice à l'intérieur du bâtiment de scène, c'est-à-dire à l'intérieur du palais. Elle est devant, comme le veut la convention, le théâtre grec, tout se passe dehors, devant une façade ou devant un bâtiment. Et elle entend en fait l'aveu et elle commente cet aveu avec les servantes en disant justement « je suis perdue, je suis morte ». Enfin voilà, déjà ça signe déjà sa fin à partir du moment où l'aveu il est révélé. Et la scène en fait sort, c'est comme si la scène sortait devant nous. Hippolyte et la nourrice sortent du bâtiment et continuent leur dialogue. Et Phèdre pendant ce temps est très certainement caché sur le côté et n'entrera jamais en fait en contact avec les autres personnages. Et donc elle assiste totalement impuissante à la révélation, à cet aveu qu'elle voulait justement ne jamais vouloir advenir. Donc ça, c'est assez magistralement orchestré par Euripide. Ce qui est très amusant aussi de ce côté-là, c'est que justement, si Phèdre s'en tenait à sa volonté de ne justement rien avoir à faire avec cet amour, de le refuser totalement et de mourir sans jamais le révéler, l'histoire ne pourrait jamais continuer. Et la vengeance d'Aphrodite, qui est en fait le moteur de toute l'histoire, Aphrodite veut se venger d'Hippolyte, elle suscite l'amour chez Phèdre précisément, enfin elle utilise Phèdre comme un instrument de vengeance. Si Phèdre, comme Euripide la conçoit, est resté totalement cloîtré, cloisonné dans son amour sans jamais rien dire, la vengeance ne marcherait pas. D'ailleurs, il n'y aurait plus de pièce, la pièce s'arrêterait très vite. Phèdre mourrait, se suiciderait et on ne saurait jamais pourquoi, etc. Et donc Euripide s'amuse avec ça, d'une certaine façon, et il fait en sorte que, justement, en assistant à cette scène entre la nourrice et Hippolyte, Hippolyte soit tellement dans les excès, parce que Euripide a aussi voulu construire ces deux personnages dans deux excès, c'est un peu deux champions de la même valeur, ils veulent toutes les deux être les champions de la tempérance, justement, de la sophrosuné, de la vertu. Et donc, dans sa radicalisation totale, ses propos sont d'une misogynie absolument outrée, et bien Phèdre, en réaction face à cela, va justement décider de se venger. Et donc, si cette scène n'arrivait pas, elle ne se vengerait pas et l'histoire ne pourrait pas avoir lieu comme attendu. Et vous voyez, je vous expliquais ça simplement pour rappeler que Euripide s'amuse à déjouer en fait nos attentes et à faire quand même advenir les événements. Mais seulement, il les pousse jusque dans leur retranchement, un peu comme ces personnages, et réussit à manier quand même tous les tenants et les aboutissants de son intrigue. Donc un traitement totalement antithétique pour ce second Hippolyte, qui fait que, comme je le disais tout à l'heure, j'en reviens à l'histoire des pièces perdues. Pour reconstruire le premier Hippolyte, on se dit, on va tout inverser. La Phèdre est totalement en retrait, ne veut jamais voir Hippolyte. Dans le premier Hippolyte, elle devait justement s'adresser à lui directement, lui faire des propositions directes, etc. Et on se sert aussi de Sénèque en se disant, Sénèque présente les choses lui aussi de manière, on va dire, plus conforme à la tradition. Il présente une Phèdre assez audacieuse, on pourrait le dire. Elle avoue directement son amour à Hippolyte. La conclusion, c'est Sénèque s'inspire du premier Hippolyte d'Euripide. Puisqu'il y a une logique dans nos matières, alors ça, je pense qu'elle est d'ailleurs assez critiquable peut-être sur certains points, on essaie toujours de rechercher le modèle, on essaie toujours de chercher quelle a pu être l'influence, quelle est l'intertextualité, quelle est la transmission de ces schémas, parfois en laissant un peu de côté ce qui pourrait être justement du fait de l'invention propre.
hein, de l'auteur dramaturge, là en l'occurrence, du poète plus généralement, si on voulait lui donner un nom très grec. Et donc, on prend certains éléments. Ça se passe à tel endroit. Alors, si la scène se passe ici et que là, elle se passe là, et ben on essaie de jouer à chaque fois dans une espèce de logique, hein, soit par similarité, soit par opposition, et de reconstruire comme ça tous les éléments. Alors, c'est déjà, je vous dis, ça a ses limites, je dirais, comme méthode. C'est tout, ça porte ses fruits sur plein de plans, hein, mais sur d'autres plans, on peut dire quand même que on peut nuancer. Et dans le cas présent, dans cet épisode Phèdre Hippolyte, autour de l'aveu, ça a d'autant plus ses limites qu'ensuite, on doit aussi faire entrer en ligne de compte un autre élément, qui est la Phèdre de Sophocle, que j'ai mentionné très rapidement tout à l'heure. Et nul doute qu'on pourrait sans doute y ajouter encore d'autres textes et d'autres références possibles qui, dans l'Antiquité, étaient conservés et qui étaient donc accessibles, ne serait-ce qu'à Sénèque, par exemple, pour écrire sa pièce. Et donc, au bout d'un moment, vous voyez, à consulter, je dirais, ce type d'analyse, on a un peu le tournis, parce qu'on finit par ne plus savoir qu'est-ce qui se passe où et finalement, qu'est-ce qu'on peut légitimement reconstituer ou pas. Et de fait, la preuve en est que les reconstitutions du premier Hippolyte sont sans doute allées un peu trop loin, où elles ont eu tendance à se poser comme un nouveau schéma d'intrigue attesté et vérifié. Alors, je ne vous mets pas sous les yeux là une liste, mais on a cette sorte de vulgate. Hein. Dans le premier Hippolyte, il se passe ça. Dans le premier Hippolyte, Phèdre fait son aveu directement à Hippolyte, etc. Un des indices, une des preuves qui est justement convoquée dans ces cas-là, c'est précisément ce fameux sous-titre dont je parlais tout à l'heure, puisqu'on cherche à comprendre pourquoi ce premier Hippolyte était un Hippolyte voilé, hein, se voilant. Ça dépend comment on traduit la voix du participe. Pourquoi est-ce qu'Hippolyte a besoin de se voiler? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de mettre une pièce de tissu en fait, entre lui et le monde extérieur? On pourrait le reformuler comme ça. L'explication qui est généralement donnée là aussi, c'est alors là par similarité également avec des scènes justement d'envoilement, comme j'aime moi à le dire, dans la tragédie grecque, c'est en général pour... le terme que je vais utiliser, il faut que je le choisisse bien. J'allais dire, pour Hippolyte, on explique généralement que c'est pour se protéger d'une souillure. La souillure étant évidemment la proposition directe de Phèdre. Quand je dis que le terme est compliqué, c'est qu'en fait, dans les autres exemples de tragédie, les exemples de personnages voilés, envoilés, on a par exemple Héraclès de Ripide, et Héraclès, lui, se voile après avoir tout à fait inconsciemment, malheureusement pour lui, tuer sa femme et ses enfants. Et il se voile au moment où Thésée vient essayer de le réconforter, de lui porter secours, etc. Héraclès, lui, se voile pour que Thésée ne soit pas contaminé par la souillure qui est la sienne. Il a versé le sang, il est donc porteur de miasma, on dirait en grec, il est souillé, et il veut faire écran. Voilà, le voile est un écran dans ces cas-là. Pour Hippolyte, le voile est très certainement un écran, mais vous voyez, c'est un écran qui est davantage un écran de protection. Et ça, on n'en a pas d'exemple, en fait, par ailleurs. Là, je ne cite pas les autres exemples similaires à Héraclès. Mais pour ce geste d'écran protection, ce n'est pas attesté. Et donc, ça permet de discuter un peu de la valeur de ce geste-là. Ça a déjà été fait avant un certain nombre de découvertes que je vais énoncer à l'instant. Donc, par rapport à cette vulgate, vous voyez, on peut déjà, de toute façon, nuancer un peu et peut-être rediscuter un peu certains éléments. Et il se trouve que, le hasard fait que parfois on a des découvertes ou des redécouvertes d'éléments qui permettent de reconfigurer en fait toutes nos recherches, nos études. Et là, il s'agit. Alors, je vais aller plus loin parce que je ne me suis pas servi de documents qui suivaient. Il s'agit ici, pour le premier Hippolyte, de deux, alors papyrus, c'est beaucoup dire, deux fragments de papyrus, je vous les montre tout de suite, vous allez voir que ce sont vraiment des petits morceaux, avec simplement quelques mots à chaque fois. Très étonnamment, là aussi, et c'est pour ça que ce dossier, il est vraiment riche en rebondissements, hein, et moi, je n'ai cessé d'être à chaque fois surprise et un peu déroutée, ça obligeait à de multiples redirections, on pourrait dire. Deux petits morceaux de papyrus, donc ce papyrus conservé à l'université du Michigan et celui-ci qui est à Oxford, à la Sackler Library, donc un papyrus Oxyrhynchus, c'est-à-dire trouvé dans la ville d'Oxyrhynque en Égypte,
qui est en fait un réservoir de petits morceaux de papyrus comme ça, absolument incroyables, qui ne sont pas tous édités, qui sont encore... Il y en a vraiment des monceaux et des monceaux. Et il se trouve, alors là, c'est là où il y a un petit miracle, quand même, scientifique, que ces deux morceaux, qui sont en plus d'époques différentes, alors j'ai parmi les siècles, mais ils sont des 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, mais en gros, ils ne sont pas exactement de la même période. Ils portent en fait le même texte. Déjà, c'est un grand hasard. Et ce texte, ce n'est pas du tout une citation de la pièce, ce n'est pas du tout un fragment de la pièce, hein, parce que quand je dis que les pièces perdues, on peut travailler dessus avec des fragments, il y a en fait toute une série de sources différentes pour ces fragments. Hein. Ça peut être des citations chez d'autres auteurs, ça peut être, comme là, parfois des petits bouts de texte qui ne sont évidemment pas les originaux, hein, qui sont déjà à des siècles de distance, copiés, recopiés, sur différents supports qu'on retrouve et qui nous permettent d'avoir des morceaux comme ça de pièces, parfois très longs. Ici, en fait, ce n'est pas le texte de Ripide qu'on a retrouvé, ce sont des résumés. C'est un résumé, hein, ce qu'on dirait en grec une hypothésis. C'est un résumé qui n'est d'ailleurs pas directement attribué à ce premier Hippolyte de Ripide, mais dont il y a un faisceau d'indices qui amène quand même à fortement penser qu'il s'agit d'un résumé du premier Hippolyte. Et l'un des indices, alors je ne vais pas vous refaire toute la démonstration, mais je donne quand même certains éléments pour que vous compreniez bien. L'un des indices, c'est que justement dans ce texte, alors je n'ai pas remis ici, alors attendez, je vous le montre là, ça c'est le, bon, je vous montre simplement ma main à côté, vous voyez la taille aussi des fragments. Hein. Alors je n'ai pas repris l'endroit exactement où se situait ce mot, mais voilà, sur chaque mot, on peut vraiment échafauder toute une série d'hypothèses. Je ne l'ai pas précisé, mais ces deux textes, donc c'est le même texte, mais qui évidemment pas coupé aux mêmes endroits, hein, pas déchiré aux mêmes endroits. Donc par superposition, les deux se complètent quand même. Parfois, on a des morceaux, des mots qui sont tout à fait superposables et d'autres dont on a le début sur l'un, la fin sur l'autre, etc. Donc ça permet vraiment d'y voir un petit peu plus clair. Et on a en particulier le mot-clé grec qui va se référer au voile dedans. Je parlais de l'Hippolyte Kalyptomenos, on a le participe Kalypsas, il me semble, dedans. Et ce qui indique, voilà, qui est vraiment, on a le nom d'Hippolyte, alors celui-là par contre, vous allez le voir ici, voilà, on a le nom d'Hippolyte ici, Hippolytou, on a une indication métabias, donc quelque chose qui se fait avec violence, on a même avant d'ailleurs une mention de lettre, mais qui n'est très certainement pas une lettre d'aveu, mais la lettre de calomnie, comme dans le schéma avec Sténébé que je vous mentionnais tout à l'heure. On a une Phèdre écrit une lettre à son mari Thésée pour dénoncer, pour accuser faussement Hippolyte de viol, ce qui est une autre utilisation de la lettre qui fait aussi que parfois il y a confusion avec la possible lettre d'aveu ensuite, mais ici il semblerait que ce ne soit pas du tout le cas. Et donc un peu plus loin, alors là, je n'ai pas l'extrait ici sous la main, mais on a donc ce terme qui indique l'utilisation d'un voile. Et d'autres éléments permettent de reconstituer en fait une intrigue, alors qui est très très loin en fait de cette fameuse Vulgate que j'évoquais tout à l'heure. Je vous l'explique en quelques mots. L'intrigue serait donc que, alors Phèdre fait une proposition à Hippolyte, mais peut-être d'ailleurs très certainement avant même que la pièce démarre, pas du tout dans le temps scénique, ou disons que ce n'est pas l'objet de la pièce, ou le sujet. Ce n'est pas le sujet principal de la pièce, cet aveu qui par ailleurs est si important et qui m'a justement tellement occupé. Elle fait l'aveu, elle est rejetée. Je n'ai pas eu l'occasion de le mentionner, mais évidemment, cette histoire, elle est fatale, hein, elle est tragique. Si elle est à sens, cet amour, il est à sens unique, je le disais tout à l'heure en introduction. Donc l'aveu, il est toujours rejeté, et parfois même très violemment par Hippolyte. Et donc, par vengeance personnelle, Phèdre accuse... sans doute par une lettre, hein, elle accuse Hippolyte de viol, elle envoie cette lettre à Thésée, qui n'est pas là à ce moment-là, ça c'est aussi un paramètre des possibles à imaginer et à étudier en détail. Et contrairement, alors là sans doute contrairement au schéma qu'on peut reconstituer par ailleurs, Thésée donc revient, et Thésée ne croit pas directement, enfin... Thésée ne croit pas à la culpabilité d'Hippolyte, ou en tout cas pas directement. Alors que justement, dans l'Hippolyte conservé de Ripide, Thésée ne met même pas en doute la parole de Phèdre, cette fameuse lettre qu'elle accroche justement à sa main et à la main de son cadavre, en fait, au moment où elle se pend. Et il est justement extrêmement radical dans sa réaction, et
Là où, dans d'autres situations, on aurait davantage examiné un peu peut-être les preuves hein, qui pourraient ou fait passer une sorte de jugement à Hippolyte, il condamne immédiatement son fils. L'hypothèse est sans doute qu'il a contre lui des récriminations bien antérieures à toute cette histoire-là. Et il le condamne, il jette sur lui la malédiction de Poséidon et Hippolyte va ensuite trouver la mort. Et donc là, il semblerait qu'on ne soit pas dans cette condamnation immédiate et que Thésée choisisse de mettre à l'épreuve en fait, l'accusation de Phèdre. Alors, sans doute, Hippolyte d'ailleurs est déjà mort hein, à ce stade-là. Et pour mettre à l'épreuve Phèdre, en fait, elle-même, il va la mettre en présence d'un faux Hippolyte. Hein, là, on a les termes en fait, dans les résumés. On a un serviteur qu'on va revêtir des vêtements d'Hippolyte et très certainement aussi, d'une certaine manière, lui cacher le visage, hein, parce que le serviteur ne pourra pas prétendre avoir le visage d'Hippolyte. Le voiler, donc, et faire en sorte que Phèdre se confronte à lui et évidemment avoue d'une certaine manière avoue son amour ou avoue la calomnie, etc. Ou en tout cas soit prise en défaut. Et vous voyez que cette intrigue, elle retrace vraiment quelque chose qui est absolument différent de tout ce qu'on pouvait imaginer par ailleurs. Mais il semblerait aujourd'hui que ce soit quand même la plus plausible au vu de ces nouvelles découvertes hein, qui sont, je vous dis, récemment exploitées mais qui mettent un peu de temps là encore à évidemment être totalement... répandu. Et donc, vous voyez, ces petits morceaux de papyrus, hein, ils permettent de vraiment de reconsidérer, en fait, de manière tout à fait surprenante, cette Vulgate, et d'ajouter aussi, c'est ce qui m'a intéressé, un autre possible à l'histoire. Hein, on imagine un autre déroulement possible de cette histoire entre les deux personnages. Donc c'est un autre dossier, un autre élément très important pour le dossier. Alors je vais passer à un autre pan, je dirais, de cette recherche que je vais aussi développer. Et là, j'irai plus rapidement, même s'il y aurait matière à encore vous expliquer énormément de choses, parce que les enjeux sont en fait considérables hein, pour l'analyse de cet épisode. J'ai eu besoin, on pourrait dire, d'aller chercher aussi ou de compléter en fait toute cette exploration des possibles par des pièces existantes justement qui mettaient elles-mêmes en scène des éléments qui n'étaient pas traités dans les textes antiques, en particulier l'aveu par lettre et de façon assez claire aussi l'aveu direct de Phèdre à Hippolyte qui est finalement pas tellement représenté. Je suis en train de perdre le fil de ce que je voulais vous dire. Je ne retrouve pas la ligne, mais c'est pas grave, je l'ai en tête, donc on va s'en sortir autrement. Ce que je voulais commenter, et j'ai essayé de retrouver mon support là-dessus, mais c'est pas très important, c'est qu'en fait, il y a, évidemment, on a besoin de méthodes hein, dans notre travail de recherche, on a besoin d'outils, on a besoin de rigueur, etc. Mais il y a aussi tout un pan, à mon avis, hein, de notre recherche qui est amené par, je dirais presque des coïncidences quelquefois, par des lectures qui sont complètement extérieures et qui viennent compléter et parfois même justement réorienter en fait le fil d'une réflexion qui, par ailleurs, doit être tout à fait évidemment normée, rigoureuse et scientifique. Et pour moi, ça a été le cas en fait de lectures de pièces contemporaines que j'avais pu faire par ailleurs, qui m'ont permis vraiment de, alors quand même toujours sur ce sujet, hein, sur ces personnages Phèdre et Hippolyte, mais qui m'ont permis de reconsidérer autrement tout ce corpus antique et d'y travailler d'une autre manière. Il y a eu en particulier la Phèdre de Yannis Ritsos, dont je remets ici par extrait simplement le début. Cette pièce de Ritsos, elle m'est apparue importante en fait à mentionner et à travailler parce qu'elle permettait de mettre véritablement en scène, hein, d'avoir sous les yeux, on pourrait dire, cet aveu direct de manière là aussi vraiment extrême, d'une certaine façon. Tout simplement parce que Ritsos fait de l'aveu sa pièce entière. Hein. Cette pièce Phèdre n'est en fait que la parole même de Phèdre, adressée à un Hippolyte face à elle, qui reste muet, qui ne prendra jamais la parole pour lui répondre. Et c'est donc un texte extrêmement poétique, d'ailleurs une très grande beauté, qui ne fait que donner la parole à Phèdre, hein, ce qui est par ailleurs
ce qui lui était totalement impossible, par exemple, chez Euripide. Et donc, ce texte est très important pour, justement pour essayer d'imaginer ce que peut être cet aveu quand il est fait directement. Et on se rend compte justement que l'aveu direct avec une réponse d'Hippolyte, ben, parfois, je me suis dit qu'il n'avait peut-être jamais vraiment existé. Hein, parce qu'ici, il y a cette parole, mais c'est une parole qui est aussi une parole qui se développe pour elle-même, qui est adressée parce qu'elle emploie la deuxième personne, qu'Hippolyte est face à elle. Mais étant donné qu'il n'y a jamais de réponse, il n'y a jamais de dialogue, il y a quelque chose d'assez coupé en fait, dans cette parole que Phèdre adresse à Hippolyte. Je passe sur ce texte. Alors, pour continuer donc, sur ces ajouts contemporains qui m'ont permis de prolonger ou qui sont venus en fait, incarner des éléments manquants dans la tradition ancienne, sur une logique d'ailleurs que j'aime à résumer de la manière suivante, c'est que la mythologie a vraiment horreur du vide. C'est-à-dire que la mythologie, on se rend compte qu'avec toutes ces variations, elle explore en fait toutes les possibilités possibles. Et permet ensuite de rendre compte de toute une variété en fait, de voies narratives qui sont toujours assez saisissantes. Alors, je passe rapidement à la suite. Excusez-moi. Là, je voulais vous montrer cette fresque de Phèdre qui se pend, parce qu'on va en venir là, mais... Voilà. On va passer à de suite ailleurs. Le texte suivant, et vous allez voir que ça me permet de revenir après à la logique qui a été celle de la composition en fait, de la réflexion dans l'ouvrage. Le texte qui m'est ensuite apparu comme important à exploiter, c'est cette Phèdre de Marina Tsvetaeva. Alors, la première raison, c'était justement que dans cette Phèdre, ce n'est pas le texte que vous avez là sous les yeux, ça c'est pour la suite. Dans cette Phèdre, Marina Tsvetaeva utilise précisément la lettre pour faire avouer l'amour de Phèdre à Hippolyte, pour cet aveu de Phèdre à Hippolyte. Et ça a été la première raison qui a fait que je me suis penchée en fait, sur ce texte, sur cette importance que revêt la lettre dans sa pièce, qui vient cristalliser en fait toute une série de thématiques très fortes chez la poétesse, chez Tsvetaeva elle-même, puisque derrière l'écriture de la lettre, je vous résume malheureusement, derrière l'écriture de cette lettre que la nourrice encourage, il y a une première scène, Phèdre la nourrice, exactement comme chez Euripide, comme chez Racine après, où la nourrice va encourager Phèdre à avouer cet amour, et comme elle n'arrive pas à le dire, à l'écrire. Et dans cet encouragement à l'écriture, dans cette difficulté d'ailleurs qu'il y a à écrire et dont rencontre le personnage de Phèdre, on se rend compte que émerge donc la portée presque créatrice en fait de l'écriture de cette lettre qui vient poser Phèdre en double de la poétesse Marina Tsvetaeva. Donc à travers l'objet lettre vient est convoquée en fait cette question de l'écriture qui n'est plus seulement l'écriture de l'aveu, l'écriture de l'amour, l'écriture du désir, mais qui est aussi l'écriture poétique en elle-même de façon beaucoup plus large, et qui aboutit d'ailleurs pour Phèdre comme pour Tsvetaeva à un suicide par pendaison. Donc l'écriture tue aussi également, et Phèdre le sait pertinemment dans la pièce, et c'est tout à fait net à travers toute une série de scènes sur cette question. Donc l'aveu devient, dans cette perspective, voyez, une sorte de révélation de soi, une manière de se réaliser soi-même, qui est aussi exprimée comme telle par Phèdre dans la pièce. Et il y a aussi un autre élément marquant qui est celui qui est justement ici, dont vous avez le texte sous les yeux. Disons qu'il y a deux objets, on pourrait dire, qui dans la pièce de Tsvetaeva sont extrêmement développés et deviennent et cristallisent tout un certain nombre de symboles très forts. Donc il y a la lettre avec l'écriture poétique, et puis il y a le myrte, un petit arbre qui est d'ailleurs le titre du quatrième tableau, qui lui va aussi concentrer toute une série de significations qui peuvent paraître au premier abord assez étonnantes aussi. Ce myrte, Phèdre y fait référence à de nombreuses reprises. Alors à côté, à,
à cause aussi de sa sonorité. Elle va invoquer le nom de l'arbre qui lui fait penser aussi au terme son, qui génère comme ça tout un réseau sémantique sonore qui a trait aussi avec sa création poétique. Ce myrte, à l'origine, c'est aussi celui que Pausanias décrivait alors là, dans des sources beaucoup plus anciennes. Ce myrte au pied duquel Phèdre se consumait d'amour pour Hippolyte dont elle prenait les feuilles pour les percer de son épingle à cheveux, un peu comme on effeuille en fait une marguerite ou une pâquerette, en l'aimant un peu beaucoup à la folie. Et donc ce myrte, il existe déjà en fait dans les sources anciennes, mais il est, je dirais, suremployé par Marina Tsvetaeva dans sa pièce. Donc, à travers la parole poétique, je le disais à l'instant, mais aussi parce que ce myrte va être l'arbre auquel se pend précisément Phèdre, et il va aussi être l'arbre au pied duquel elle va être enterrée avec Hippolyte, de manière tout à fait, là aussi, surprenante. Phèdre, Hippolyte, amour sans issue, uni dans la mort, avec les os de l'un contre les os de l'autre, c'est Thésée qui le demande à la fin de la pièce de Tsvetaeva. Je reviens à cet arbre parce qu'il a été en fait le point d'entrée vers un tout autre pan qu'il a aussi auquel je ne m'attendais absolument pas du tout. Cet arbre, vous voyez le texte de Tsvetaeva, il est assez clair sur la question. Là, la tirade qui est ici, c'est la nourrice qui la prononce au moment où elle découvre le corps de Phèdre, où elle endormit, sa couche est vide, murmure des hauteurs. Le myrte a donné un fruit mystérieux. Avec des yeux, aux sèves, avec des dents, aux fruits. Un souffle de vent s'est levé, le fruit en arrière, en avant, toujours en arrière, en avant, toujours revenant et repartant. Ce fruit-là sur l'arbre, qui ose le cueillir ? Murmure inouï. Sous forme d'un corps, le myrte a fleuri, spectacle inouï. Plus verte qu'un fruit, la reine est pendue. Sans aller très loin dans l'analyse, je pense que vous voyez très clairement qu'ici, le myrte produit un fruit, et ce fruit, c'est précisément Phèdre. Le corps de Phèdre devient le fruit du myrte, ce qui, en fait, est à relier à une puissance génératrice, qui va être celle de l'arbre, qui est aussi celle, d'ailleurs, sur un autre pan de la parole poétique. Et ce corps de Phèdre qui est suspendu, qui va se balancer et créer comme ça un mouvement. Alors c'est là où le parallèle est au départ assez inattendu. Il m'a ouvert donc tout un champ de recherche sur des rituels précisément grecs, mais aussi d'ailleurs qu'on va trouver dans d'autres civilisations et sur un champ chronologique extrêmement large, qui sont des rituels de suspension et de balancement, et qui sont évidemment intimement liés à un culte qui est le culte de l'arbre. Et donc, en fait, le corps de Phèdre qui se pend, cette pendaison de Phèdre qui est extrêmement en fait, importante pour comprendre tous les enjeux de l'épisode de l'aveu, cette pendaison de Phèdre, on peut aussi y voir une sorte de, chez Marina Tsvetaeva en tous les cas, de manière de revivifier, vous voyez, un certain nombre de rituels qui sont attestés par ailleurs. Alors, je m'explique, vous allez voir que là, tout cela se déploie de façon qui donne un petit peu le tournis. Qu'est-ce qui m'a permis d'arriver à cela ? Alors évidemment, c'est ce texte, c'est le texte de Tsvetaeva, donc c'est un texte contemporain qui m'y a donné accès. Mais c'est aussi un certain nombre de sources antiques qui paraissaient un peu étonnantes quand on se penche sur tout ce corpus de l'épisode de l'aveu de Phèdre à Hippolyte. Alors je vais vous les montrer à l'instant. Il faut que j'aille un peu plus loin, pardon. Alors voilà, on repart avec la pendaison, justement. C'est cette pendaison du corps féminin qui va permettre d'ouvrir ici un champ totalement inattendu. Alors, il y a tout d'abord, on pourrait présenter les deux en même temps d'ailleurs, une description alors, d'une fresque là aussi, et c'est aussi pour ça que tout ça me paraissait fonctionner en fait très bien ensemble. Description d'une fresque, une sorte d'autre ekphrasis, on pourrait dire, comme celle de Procope. Là, il s'agit d'une fresque réelle, celle de Procope, on peut vraiment discuter la question. Fresque de Polyknote, qui est un peintre du 5e siècle avant Jésus-Christ.
donc conservée à Delphes, qui avait disparu ensuite, et qui est décrite par Pausanias, et qui représente en fait Phèdre. Alors Ariane d'abord, sa sœur, assise sur un rocher, et Phèdre qui se balance sur une corde à laquelle elle se tient des deux mains. Son attitude suggère, quoique la représentation en soit faite de façon plus décente ou plus convenable, les circonstances de la fin de Phèdre, c'est-à-dire la pendaison. Donc ce texte évoque une Phèdre qui se balance et qui est une sorte de manière figurée de représenter sa mort. Donc ça insiste aussi sur, il y a en fait là une sorte de parallèle qui est mis en place entre le balancement, alors qui nous fait plutôt penser à un jeu, Phèdre sur une balançoire, et Phèdre pendu dont le corps se balance. Et il semblerait qu'en fait, ce choix iconographique de Polygnote, il ne soit pas dû au hasard et qu'il soit emprunt en fait d'un symbolisme beaucoup plus ancien et qui évoque tout un certain nombre de rituels dont on a perdu par ailleurs la trace ou quasiment. Et ce qui permet aussi de l'attester, c'est en particulier cette statuette crétoise. Il ne vous aura pas échappé que Phèdre et Ariane sont évidemment crétoises. Statuette donc découverte à Agathriada, qui représente un personnage féminin assis sur une balançoire. Et très clairement, là, pour m'en référer à des recherches d'historiens et archéologues, ce n'est évidemment pas la représentation là non plus d'un simple jeu, vous voyez, d'un passe-temps ludique, mais c'est vraiment la représentation d'un rituel particulier qui fait écho à toute une série de cultes, de rituels où il fallait soit faire se balancer les représentations de dieux ou de déesses, soit faire que les participants au culte se balancent eux-mêmes. Et là, on a toute une série de textes qui viennent en fait attester cette pratique en Grèce, mais aussi dans beaucoup d'autres sphères culturelles. Et là où je parlais aussi du hasard qui nous aide à mettre les choses en perspective ou à les regarder différemment, vous avez peut-être vu ce tableau qui est au musée d'art de Nantes, qui est un tableau de Delaroche qui représente une jeune fille à la balançoire, Sarah la baigneuse, qui est en fait tout à fait dans la même pose, la même attitude que la Phèdre décrite par Polygnote. Et ce qui a attiré mon attention là-dessus, c'est que quand on évoque la balançoire, nous, évidemment, je dirais que notre imaginaire, il est déjà façonné. On a les deux cordes et un bout de bois et une planche. Et il semblerait que des balançoires, évidemment, on puisse en fabriquer d'autres manières, comme simplement ici, avec un simple morceau de tissu. Ce qui est aussi cette corde que décrit Pausanias dans la fresque de Polygnote. Et qui est aussi, d'ailleurs, là, on n'en rend pas compte, ça c'est un morceau de bois qui a été ajouté. En fait, le fil, il passe à l'intérieur de la statue, et donc on n'a pas besoin de notre petite planchette qui nous évoque, nous, évidemment, tout un autre univers. Donc là aussi, c'était un matériau tout à fait inattendu qui a ouvert pour moi donc, cet immense dossier autour des rituels de suspension de balancement qui ont précisément, là, donc, plusieurs recoupements, plusieurs études le disent, une valeur fertilisante et fécondante, donc une valeur créatrice d'une certaine manière, qui est bien celle que reprend aussi Tsvetaeva dans tout ce qu'elle met en place autour du corps de Phèdre pendu, de l'arbre, etc., et de la portée poétique aussi de l'écriture de la lettre et de l'aveu. Vous voyez, tout ça s'agence en fait ensemble pour aller dans le même sens en fait que ces rituels primordiaux, on pourrait dire. Et donc voilà, tout ce qui est autour de la fertilité. Alors non, je voulais simplement ajouter un élément. Oui, tout ce dossier m'a aussi permis de me replonger dans un autre ouvrage que vous connaissez peut-être, qui est celui de James Fraser, qui s'appelle « Le dieu qui meurt », qui est un ouvrage fleuve en divers volumes, qui étudie en fait le dieu qui meurt, c'est Dieu qui ressuscite, comme Dionysos, Jésus, Osiris, etc. Et dans cet ouvrage fleuve, encore une fois, il y a un petit chapitre qui s'intitule « Le balancement considéré comme rite magique » qui justement fait le tour de toutes ces pratiques jusqu'à date extrêmement récente, qui m'a déjà donc beaucoup évidemment aidé et intéressé pour cette question, et dont j'ai découvert après coup qui se fondait en fait sur, au départ, l'idée de Fraser de travailler sur le dieu qui meurt précisément.
C'était au départ à propos de rituels latins qui se situent dans la région du lac de Némi, dans le Latium, qui est en fait un sanctuaire à Diane, Diane Artemis, et le lieu où Virgile fait ressusciter Hippolyte, en Wirbius, hein, dans les Métamorphoses. Voilà, Hippolyte est promis un destin sur lequel je ne pourrai pas revenir aujourd'hui, mais il peut ressusciter, et il ressuscite précisément à cet endroit-là. Donc il y avait là aussi des concordances assez étranges, qui, voilà, avec l'écho que Tsvetaïeva pouvait en donner, permettait de donner une valeur vraiment effective au rituel de suspension et de balancement qu'est en fait la pendaison pour Phèdre. Et il y a un autre pan, je dirais, sur lequel il faut aussi que je dise un mot, et je terminerai là-dessus, même si on a encore un peu le temps, mais je laisserai aussi la place à vos questions. Alors, je reviens à d'autres documents qui sont là. Cette pendaison féminine, cette pendaison de Phèdre, alors elle la rapproche en fait de plein d'autres personnages sur différents plans. Et il semblerait aussi, donc quand on s'intéresse à cette question du balancement et des valeurs des rituels de balancement, il y a aussi certains objets qui sont mis au dossier, ce que je vous présente ici. Donc en particulier des scènes où on voit des jeunes filles, des jeunes femmes, se balançant, donc sur des balançoires qui sont là aussi, encore une fois, non pas des jeux, hein, mais vraiment l'écho très certainement de rituels, et il y a certains détails dans les scènes qui permettent d'en être sûr, et qui sont justement poussés, balancés, on pourrait dire, par des personnages tout à fait choisis, qui peuvent être soit un satyre, comme ici, soit un éros, donc vraiment une personnification de l'amour et du désir amoureux. Ce qui permet évidemment de retravailler sur ces rituels, non plus en allant étudier la portée, je dirais, de fertilité. Alors, j'ai employé ce terme-là pour parler d'une fertilité, je dirais, de la nature, hein, en lien avec l'arbre, etc. Mais une fertilité beaucoup plus concentrée dans le corps féminin, une valeur fécondante, on pourrait dire, qui est très clairement incarnée par les personnages qui poussent les jeunes filles. Alors, là, je ne détaille pas là-dessus, mais très étonnamment, là aussi, cette valeur-là, par laquelle on trouve d'autres échos en mythologie, elle m'a été révélée, ou en tout cas rappelée, par le troisième texte contemporain que j'ai utilisé pour cette enquête que je n'ai pas encore mentionnée, qui est la pièce « Gibier du temps » de Didier-Georges Gabilly, qui date de 1994. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans cette pièce, qui est assez passionnante d'ailleurs sur sa reconfiguration, donc c'est aussi l'exploration d'un énième possible dans cette histoire de Phèdre, Gabilly imagine que... il met en place ce qu'on pourrait appeler une uchronie, en fait, hein, une uchronie théâtrale, ce qui est assez rare. Il m'a d'ailleurs servi à utiliser cette méthode uchronique du « et si », hein, qui vraiment met en place l'exploration des possibles, et qui permet donc de lire la mythologie par ce prisme. Donc lui, il joue donc sur ce « et si », il imagine que Thésée était parti, n'est jamais rentré, que pendant ce temps, Phèdre a déclaré son amour à Hippolyte, dont elle rencontre d'ailleurs de façon très rapide par un récit qui revient au moins deux fois dans le texte. « Il est venu un jour ton fils du premier lit, tu n'étais pas là, je l'ai tenté, il m'a repoussé, je l'ai fait tuer et tu n'étais pas là. » Voilà, l'aveu, les conséquences, la mort, en quelques lignes, et c'est tout à fait expéditif. Gabilly, lui, il situe sa pièce à l'époque contemporaine, dans un futur qui est très légèrement anticipé, et il met en scène la pendaison répétée chaque année, pendaison répétée et manquée, d'une Phèdre qui survit en fait éternellement à toute cette histoire. Et donc là, évidemment, ça ouvrait aussi d'autres perspectives en termes d'analyse de l'épisode. Et une Phèdre qui ses enfants offrent tous les ans, justement, après la pendaison manquée, une sorte d'avatar d'Hippolyte avec lequel elle s'accouple, il n'y a pas d'autre mot, et qu'elle tue, qui meurt ensuite, qui disparaît à chaque fois, et dont elle a à chaque fois un enfant. Donc Phèdre est dans cette uchronie, hein, dans ce texte, à la fois une espèce de monstre mythologique, vous voyez, une ogresse, une sorcière de conte, enfin, elle mêle totalement les références. Et pendant ce temps, donc, Thésée lui est resté bloqué aux enfers, hein, sans doute, c'est mon hypothèse, à cause de cet aveu trop extrême que Phèdre a fait à Hippolyte, hein, qui a complètement détraqué en fait, la machine temporelle.
Et il réussit à en ressortir. Et donc, vous voyez, l'histoire redémarre à partir du moment où Thésée ressort des enfers et va essayer de mettre un terme à ce cycle qui est celui de Phèdre sur Terre. Ce texte, il a remis pour moi en lumière la valeur fécondante, en fait, du rituel de suspension qu'est la pendaison. Un rituel qui est en fait ici, alors clairement justement mis en scène comme rituel par sa répétition, mais qui est perverti, qui est détourné en fait de sa logique initiale et qui est déréglé par une temporalité qui a cessé de fonctionner. Et donc vous voyez, Gabili comme Tsvetaeva, donc des textes, on pourrait dire extrêmement contemporains par rapport à la période ancienne qui est celle dans laquelle je m'ancre, m'ont permis à chaque fois de remettre en lumière des perspectives rituelles qui m'intéressait évidemment par ailleurs, mais qui découlait en fait de ce questionnement autour de la pendaison, qui est celle inhérente à Phèdre et à d'autres héroïnes féminines, dans la tragédie en particulier, mais aussi dans la mythologie en général. Alors ça, je n'aurai pas l'occasion d'aller plus loin là-dessus. Et c'est sur ce point en fait que je voulais insister, hein, sur cette manière que, là aussi, des éléments a priori peut-être... qu'on n'aurait pas forcément mis dans la liste d'études de départ, hein, vous voyez, permettent en fait de réorienter en fait la réflexion et de la faire aller plus loin. Et ce qui surtout moi me passionne dans cette question, c'est que le contemporain permet aussi parfois de relire l'antique ou de mettre en lumière ou peut-être de dire autrement des choses que les textes anciens alors disaient peut-être mais qu'on n'entendait pas. Hein, et donc il y a un jeu de correspondance, il y a un jeu d'influence réciproque qui peut se mettre en place dans ces cas-là entre ces deux sphères temporelles extrêmement éloignées qui me semblent assez fructueux, hein, en tout cas assez fructueux pour que j'ai écrit un certain nombre de pages sur la question et qui m'a permis aussi évidemment de pouvoir vous les présenter aujourd'hui. Donc voilà, ce Phèdre à Hippolyte, ce sont trois mots, hein, pour évoquer l'aveu qui concentre en fait tout cet épisode et qui m'a permis ici de mener donc cette vaste enquête, hein, autour des textes théâtraux qui étaient fondamentaux pour la question, de leurs représentations figurées, des représentations figurées de l'épisode qui permettent de penser autrement en fait le texte de théâtre et qui ajouté à cela, hein, nous invite à franchir ce pont, hein, entre l'antique et le contemporain qui les enrichit réciproquement. Voilà, je vous remercie de votre attention et il nous reste un peu de temps pour des questions.